Et ça, c'est un peu triste parce que la run était très bien, mais tu sais pas pourquoi, des fois ça tire dans le mur, quoi. Mais voilà, sinon, en gros, les dégâts du shotgun ils sont rangés, mais normalement, à part quelques cas vraiment rares, mais normalement ça te nique pas une run, quoi. Voilà les dépassements. Ah, bonne chance, Uganon. Bon courage. Aussi. Et voilà, c'est pour ça. Les déplacements des ennemis, ça m'étonne pas qu'ils soient pas RNG, mais ils paraissent RNG, hein, parce qu'honnêtement. Mais en effet, ouais, ils ne le sont pas. Par contre, t'as les tirs, mais c'est voilà, tu vois, c'est des trucs assez mineurs et des trucs assez classiques en fait dans ce genre de jeu. Parce que j'ai jamais été surpris dans un jeu de tir que la trajectoire des balles elle soit un peu random. Normalement, enfin, tu peux, mais. Sinon, après tout ce qui est pack de munitions, pack de vie, nombre d'ennemis par salle, armes des ennemis. Ces trucs-là, il n'y a pas de RNG. Les packs de munitions, tu sais qu'ils vont toujours être au même endroit et qu'ils vont toujours te rendre la même quantité de points de vie. Ouais, c'est ça. Du coup, les dégâts sont fixes, mais vu que les. Ça dépend du nombre de projectiles, bah, il est quand même un peu random. C'est vraiment le nombre de projectiles, hein. Mais par contre, bah, si l'ennemi, pour une raison un peu bizarre, t'as les trois quarts des projectiles qui passent autour de lui, bah tu vas pas lui faire, tu vas quasiment rien lui faire. Et les dégâts de l'arme en elle-même, c'est les mêmes, quoi. C'est juste que tu vas faire des dégâts au mur derrière au lieu de faire des dégâts au type que tu veux tuer. J'arrive à bien passer parce que j'ai pas fait plein de dégâts. Ouais, ouais, ça je pense aussi. Hein. C'est normal de toute façon que plus tu sois loin, moins les trucs soient précis. Et je crois pas genre que les projectiles. Ah, sérieux? Et voilà, mais c'est la dispersion qui fait ça, c'est pas l'arme en elle-même, quoi. Là j'ai plus assez d'armure, moins de 100 d'armure, je suis comme ça là, je. Non. Ça coûte 10 secondes, je pense. À peu près. 15 si ça aggro des monstres ici qui deviennent chiants. Et là c'est. Le fion, c'est pas grave. Donc là voilà, je perds un peu moins de 10 secondes, c'est sur la backup. Putain, l'enfoiré. C'est pour ça aussi que au début, tu vois, je ramasse le shotgun, le double barrel, et je l'utilise pas tout de suite. C'est justement à cause de la dispersion. C'est quand même un peu mieux sur l'autre, et donc je trouve c'est un peu plus OP. Donc là on espère qu'ils s'entretuent et on lui fait ça pour les tuer aussi. Parce qu'on a vraiment pas envie qu'ils réactivent l'ascenseur alors qu'on est dessus.
Ça c'est horrible quand ça fait ça. Allez. Je gagne du temps quand même. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wouhouhou. À se demander si j'aurais même pu ne pas réactiver la porte. Gold, obligé. Là c'était obligé que ce soit un gold. En fait le seul moyen pour que ça ne fasse pas un gold, ça aurait été que je rate un moment juste après, mais... Mais vu que j'ai pas raté la suite et que la sortie était parfaite... Merci Vinkaiser et bon après-midi à toi. Ouais, t'as vu ça? Mais c'est ça, hein, du pas de rien là. Je sais pas si c'est ça entendu, mais j'étais méga content. Allez, et là le cacodémon il me fait presque pas chier, c'est OP. J'ai 97-200, c'est pas mal. Hein. Ah c'est même super, 40 secondes, c'est bien. C'est ça. C'est presque ça. J'ai pris aucun dégât dans cette salle. Ah bah si. Ah si, en fait j'ai pris des dégâts à cause de cette araignée, mais bon. C'est hyper rare que je sorte avec autant de vie d'ici, c'est cool. Parce que là, avoir de la vie, c'est OP, hein. Ça veut dire que je vais pas avoir besoin de récupérer de vie au niveau d'après. Bon, là je perds du temps. Bien entendu. Lui il se téléporte et il me bloque pas, ça c'est OP aussi. Voilà, bon je perds presque rien, on s'en fout. Surtout l'important c'est que j'ai de la vie en arrivant ici. Et du coup on peut faire ça direct. Donc, d'habitude je galère pas autant. Genre lui normalement il faut deux coups pour le tuer. Mais suffit que les balles touchent pas bien et voilà ça fait trois. Il passe tout seul maintenant ce truc. Je suis vraiment content d'avoir réussi à trouver un setup qui marche à 100%.
là ça sert à rien de faire ça, il faut faire ça d'abord. Tiens dans la ragnatron en attendant l'ascenseur, pas avant, sinon c'est débile, on perd du temps. Là il y a du temps à gagner en plus hein. À cause d'un problème dans les ascenseurs justement. Des pixels dégueulasses. Et voilà, on arrive à The Town. Ah non, Factory alors. À la petite usine, et oui, et oui. Ouais, j'aime pas trop. Ça m'arrive des fois à la fin de Gacha. Et c'est la seule fois où je le tolère, quoi. Parce que sinon, c'est vraiment l'angoisse. C'est l'angoisse. Oh, magnifique. Gold, gold, gold. Obligé. 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 Quand les interrupteurs ils passent comme ça et que t'as pas fait d'erreur avant, c'est gold. Easy peasy. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai branlé? Il suffit juste de se retourner et de faire avant. Voilà, bon, bah là je perds 10 secondes parce que je suis trop con. Bon, après je suis invisible donc normalement je me fais pas bloquer là. Voilà, donc là je gagne un peu de temps là-dessus. Maintenant je suis plus invulnérable donc ça va être tendu. Hein. Là il y a moyen que je me fasse défoncer. Et non, c'est passé. OP, OP. Mais non, je suis pas obligé de finir cette run, mais. Bon là je vais m'en vouloir parce que j'ai perdu un petit peu de temps mais... Une minute d'avance c'est pas suffisant, il m'en faut 3 minutes d'avance. Mais bon il y a encore vraiment du temps à gagner là. Tu vois genre ça les cacodémons là, ça c'est juste l'angoisse hein. Y'a aucune raison qu'ils soient là, mais des fois ils t'aggro et ils te suivent et ils arrivent là et ils te font chier. Parce qu'il y a moyen que je fasse aussi 12 rocket jump ici, hein, avant que ça passe. Normalement ça passe direct, mais des fois ça passe pas direct, c'est un peu relou. Oh yeah. Après il y a aussi moyen qu'il passe pour la je sais pas, 12e fois de suite, hein, y a pas de souci. J'ai appris quand même hein, à le faire. C'est pas non plus un scandale quoi. J'aurais pu prendre le petit pack de vie, ça aurait pas tenu en trop ça je pense. Oh nickel. Mais là, dis pas rien, on commence à être sur une run que, en effet, je vais avoir envie de finir. Oh mais non mais il va faire chier quelqu'un d'autre.
Bon après là il y a tellement de temps à gagner aussi. Bon, presque rien, mais c'est pas grave. J'ai pas perdu de temps déjà. Les glides, ça peut pas non plus être 100% de réussite, hein, sinon. Sinon, tout le monde le ferait, ce serait chiant. Bah, c'est mieux que ce soit un peu dur, comme ça tout le monde le fait pas. Oh, il y a un cacodémon de merde là. Bon, j'ai pu passer là. Hop, lui. Alors si ce mec rentre dans l'ascenseur, je sais pas ce qui se passe, mais j'imagine comme ça là, que c'est la merde. Allez, juste pour l'énerver. C'est ça qui est tragique. Mais comment tu sais ça, du Padrien? T'as le wiki de Doom ouvert à côté ou quoi? C'est déjà activé. Là, c'est bon, là, j'ai la clé, là. Bon, tout à l'heure j'ai quand même perdu genre une minute parce que j'avais pas réussi à récupérer la clé. Il y a une minute trente à sauver. Hein. Ah donc c'est même pas le wiki, c'est genre c'est dans ta tête, donc c'est encore plus impressionnant. Et voilà, les cacodémons qui font chier, hein, c'est ça. Genre là bon, vu que j'avais mis un peu cher avant, il est mort vite, mais... C'est vraiment vite l'angoisse. Et voilà, et donc du coup, je reprends du temps. Je reprends que ça? Ah bah peut-être que en fait j'étais pas mort, ou je sais pas, que je confonds avec une autre run. Ouais, même pas besoin de tirer des roquettes en fait.
là je suis méga bien pour le niveau d'après hein. J'ai tellement de vie. Un peu de temps en plus. Oh gold. This is a triumph. Et là si je fais pas n'importe quoi, j'ai 1 minute 30 à prendre. Et là, je suis en train de pas faire n'importe quoi. On est bon, on est bon, on est bon. On pourrait peut-être même faire un gold. Hein. Et voilà. Gold de 9 secondes. Non. Ah non, parce qu'il y a le tech, ça. Un petit gold. Là, je prends l'antipoison direct parce que j'ai quand même plus beaucoup de vie. J'ai pas réussi à activer avant, tant pis. Oh, s'il vous plaît. Bon, là, je perds du temps sur le glide, mais j'ai gold le glide hein, tout à l'heure donc. Sérieux quoi. Voilà, là ça m'étonne pas. Bon, je meurs, c'est pas grave, c'est pas. C'est passé n'importe quoi, cette map a fait n'importe quoi, du début à la fin. Enfin, juste du début du coup. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais perdre 30 secondes ici et je m'en fous. Ouais. Enfin, si je perds 30 secondes, je m'en fous. Après, si je remeurs et qu'au final je perds 2 minutes, ça va me faire chier. Déjà là je me suis pas fait one shot par le chevalier de l'enfer. Et y'a l'autre là-bas qui m'énerve, c'est bon. Il est pas mort mais j'ai réussi à me... Là quand j'ai pas trop de vie j'y vais au gros truc hein. Voilà. Et au final je perds quasiment pas de temps donc ça va. Je suis plutôt content. J'avais dû mourir aussi à un autre moment, genre contre le chevalier de l'enfer mais... comme ça. Tire un peu tôt. Ça c'est juste histoire de gagner une pouf seconde hein, pour pas me retourner quoi. Et mais bon là j'ai perdu un peu. Ça j'ai même pas envie de la rater par contre là. De quoi qu'est safe. Ah merci Gonzo, bah c'est pas grave que t'aies pas le son, je vais quand même te parler, te dire que je suis content de te voir et tout ça. Et que là j'espère vraiment te repasser devant. Là si quelqu'un qui a le son peut dire à Gonzo, l'objectif c'est reprendre le point que tu m'as mis hier, faites-vous plaisir.
Non, c'est pas de battre le pipi de Gonzo, c'est de battre son nombre de points total. Parce que hier, il m'a mis un point. Un point, et du coup, là, le but, c'est de faire mieux. Yes! Vous saviez à quel point je suis vraiment ravi à chaque fois que je réussis à passer ce niveau sans tomber. Enfin, que je sais que je pouvais pas tomber dans le niveau. Après, si je bats le PB de Gonzo là, je suis devant lui, mais. Bon, j'étais tombé un petit peu, donc là voilà, j'ai gagné. Oh non, je vais faire un gold! Un gold? Un fucking gold? Voilà, et là on fait ce niveau avec 132 vies au début, autant vous dire que c'est caviar. Là du coup on peut faire ça, on fait ça, on tue un peu des mecs quand même. On s'en fout. Eh ouais, non mais ça, je crois que tout le monde me l'a piqué, hein. Parce qu'elle est vraiment trop cool. Tu tues les bêtes, les têtes dès que tu rentres. Bah après il m'entend pas, mais tu tues les têtes dès que tu rentres et derrière tu. Et t'actives le truc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus OP je trouve. Normalement on perd un peu de temps, mais voilà. Presque un gold. Ah bah un gold. Ah j'ai cru que j'allais réussir à passer sans me faire emmerder par ce fion qui est à côté de moi. Bah non mais en vrai elle est trop bien hein. C'est genre juste je comprends, même Millie il l'a pris je crois. Et en termes de temps elle coûte bite. C'est vraiment tu perds peut-être une ou deux secondes mais. Bon, Pibi, gold à nouveau, c'est n'importe quoi. Allez, un petit arrival skip direct, histoire de vraiment mettre tout le monde d'accord. Nickel! Ouais, là, franchement, normalement, à part si je fais vraiment de la merde ici, mais il n'y a pas de raison. Non, je vois pas comment est-ce que je peux pas réussir à faire sub 40. Hein. Enfin, si, je vois très bien, mais faut vraiment que je fasse n'importe quoi. Tac, ça, j'ai direct. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On peut prendre le BFG ici. Là même si je me fais tuer par le gunman improbable que personne sait qu'il existe, c'est pas grave. Bon là j'ai fait ça, ça servait à rien, c'est pas grave. Ouais l'Archville par exemple lui il est méga RNG. Là d'accord, ouais là là je vais même pas chercher à te contredire, dis pas de rien, l'Archville à la fin il est méga RNG. Gold encore. Mais non, mais quel abruti.
cacodémons, hein, quand il y en a comme ça, faut les tuer. Bon, là, j'ai pas activé les trucs dans le bon sens. Là au point où j'en suis, je veux finir le niveau, comme ça je fais un PB déjà. Et après je pense que je tue le boss aussi. Mais ta mère putain, ta mère le bouton. Ça, c'est une petite seconde de gagner, hein, je pense, d'activer dans ce sens-là. Ça tue personne, trop cool. Ouais, j'ai un peu BFG comme un gros porc, je trouve, non? Oh yeah! Oh yeah! Vous le sentez le truc que j'ai jamais réussi à faire et que je veux qu'il passe? Si je fais pas un. Si je fais pas un putain de. Yes! Je suis méga content. Je pensais pas réussir à faire un sub 35 comme ça. Je me suis dit peut-être au bout du compte sub 35, mais là j'étais à. Je me disais sub 37, ce serait vachement bien. Et là, là je suis méga content. Je suis vraiment juste déçu pour le boss à la fin là. Le baron de l'ange. Parce que j'avais moyen de le faire en un cycle et au final j'ai mis que une roquette sur le premier. Mais bon, c'est la première fois que j'avais ce strafe là, donc je savais pas trop comment le gérer. Ah, je suis désolé de te prendre ta place Gonzo, mais je suis vraiment content. Ah, il est trop moche lui. Et voilà, et nous. Et voilà, si je regarde les splits, hein, je gagne du temps au début. Après, là, je perds un tout petit peu de temps dans les tunnels, mais on s'en fout. Ça continue à être pas mal, pas mal. Je fais à The Factory, voilà, je fais une erreur, je glisse. Il y en a plus que 9. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il n'y a pas beaucoup plus que 9.
Ouais, donc jusqu'à The Factory, tout est à peu près nickel. The Factory, je fais une petite erreur qui me fait perdre 10 secondes. Donc ça va. Ensuite, ça se passe assez bien. Il n'y a pas trop de gros soucis. Là, c'était pas mal, je crois. Tenement, je perds 10 secondes aussi. Après, The Country Yard, ça devient vénère. Mais c'est bien passé. La Citadelle, Gold. Donc voilà, God Check Gold. C'était très bien. Nirvana, je galère un peu sur le glide, je perds 20 secondes. Après, je fais que des golds. Donc, non, non, c'était super. C'était super. C'était super. Voilà. Bon. Il est 11h51.